Lancée le 29 octobre dernier, la 33e édition du Tour cycliste international du Faso a atteint la 6e borne ce 3 novembre 2021. Une étape remportée par l'Algérien Yacine Hamza en 3h13 minutes 33 secondes devant le Burkinabé Bachirou Nikiema. Le premier Camerounais a occupé le 22e rang à la personne de Michel Tchentche, le capitaine de l'équipe nationale. Clovis Kamson Abosolo, qui avait pourtant bien commencé ce tour, a terminé à la 28e place au classement de la 6e étape et 25e au classement général avec 4 minutes 15 secondes de retard. Le nouveau maillot jaune est porté désormais par l'Algérien Yacine Hamza devant le Belge Wouters Router avec 3 secondes de retard. Au classement par équipe après 6 étapes, le Cameroun occupe le 4e rang sur les 13 équipes présentes. Les dés semblent donc déjà jouer au regard de la concurrence et de la rivalité pour les coureurs camerounais, même si des exploits peuvent surgir lors des dernières courses. Malgré leur classement au général, les athlètes camerounais ont pu montrer leur force au terme des 6 premières étapes avec des intempéries du temps. Des efforts encourageants pour l'ensemble et qui porteront certainement des fruits dans d'autres compétitions.